En l'église de Saint-Jean au marché, en la ville de Troyes, en avril 1620, le 17, a été baptisée, ce même jour, Marguerite, fille d'Abraham Bourgeois et de Guillemette Garnier, sa femme. Le parrain, Nicolas Bertrand. La marraine, Marguerite Coutan, femme de Nicolas Garnier. Née le vendredi saint, baptisée le même jour en église paroissiale, elle était la sixième née d'une famille qui compta 12 enfants. Troyes était réputée une ville de cloches et de sonnailles, mais les clochers ce jour-là étaient muets. Nul carillon ne salua cette naissance au Christ. Marguerite naquit sous le signe de l'expiation, du sacrifice. Enfant, elle s'agenouilla devant ces statues de la Visitation. Et Marie voyagèrent, de même qu'Élisabeth, sa cousine, de sourire à cet enfant qui deviendrait, elle aussi, voyagère en un monde lointain. L'église de Saint-Jean au marché avoisinait la boutique d'Abraham Bourgeois, occupée aujourd'hui par la chapellerie Aubry. Par cette rue, l'on accédait au logis si à l'arrière et au-dessus de la boutique. Marguerite, allant aux étages, suivait cet escalier, s'appuyait à cette rampe qui a subsisté. La chandellerie de son père était sise en la grande rue, devant la belle croix. Pour lors, l'on disait, place de la belle croix. Marguerite, autour de ses parents, réputés gens honnêtes et probes, autour de ses frères et sœurs, autour des gens de la cité et des faubourgs, autour de sa ville au petit toit faisant saillie sur les étages, aux cintres brisées, aux rues disloquées, arrangeait peu à peu sa vision de l'univers. Venant à passer devant l'abbaye de Notre-Dame au Nonain, un dimanche de procession, elle vit sourire la Vierge du portail. « Je me trouvais si touchée et si changée, écrit-elle, que je ne me reconnaissais plus. » Point tournant de sa vie, personnes et choses, rues, étoiles et flèches, ne sont plus aperçues dans la même lumière. Intimement, elle fait vœu de chasteté. Elle s'oriente vers le Carme, duquel on la détourne. Elle va par les faubourgs, s'occupant des enfants, tenant de petites écoles. À 33 ans, elle rencontre ici Chomedey de Maisonneuve, sieur de Neuville-sur-Vanne. Un poste, appelé Ville-Marie, dans une île de Nouvelle-France, a besoin d'une fille enseignante. Vous trouverez là-bas des tours coiffées de pigeonniers et des logis en moellons et mortiers, comme ici, en Champagne. Elle part en secret de Troyes, atteint la mer, s'embarque. « Va, je ne t'abandonnerai pas, lui redit la Vierge. Lors, elle n'appartient plus à la France. À Ville-Marie, elle fait l'école dans une étable, y emmène bientôt 4 filles de France qui forment le noyau de la congrégation. Les 80 ans qu'elle vécut, 33 furent à la France, 47 au Canada. Que reste-t-il de Marguerite Bourgeois? La statuette de Notre-Dame de Bonsecours, apportée par elle-même de France, et l'œuvre de la congrégation. Celle-ci, vêtue de blanc comme de la robe nuptiale, formant une croix dans la chapelle de la maison mère, ce sont ses filles. Unies à la Vierge, voici leur oblation. Marguerite Bourgeois, lorsqu'elle s'éteignit, comptait 40 filles autour d'elle. La congrégation compte aujourd'hui plus de 3500 religieuses, formant 10 provinces, canadiennes et américaines, ramifiées jusqu'en Asie. Le supérieur de Saint-Sulpice est de tradition supérieur de la congrégation. Les jours de vêture, il donne le voile et la croix. « Recevez, ma fille, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, comme un bouquet de myrrhe que vous mettrez sur votre poitrine. » Depuis des générations, les filles de Mère Bourgeois prononcent les mêmes vœux. « Je, sœur Geneviève du Rosoy, m'offrant et me donnant à Dieu, fais vœux à la Divine Majesté de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. »
À la veille d'expirer, la fondatrice murmura « La congrégation ne doit pas se diviser, ne doit avoir qu'une maison mère. Son vœu est exaucé. » Rome ayant décrété la béatification de Marguerite Bourgeois, Montréal délègue des pèlerins auxquels s'adjoignent ceux de villes et villages, également tributaires de la congrégation. Couchant sur l'Atlantique, spectacle que Marguerite Bourgeois, franchissant la mer, devait voir 100 fois. Lourdes et sa basilique, première escale. Les pèlerins de Marguerite Bourgeois sont aussi pèlerins de l'année sainte et de l'Assomption. Les buts du pèlerinage se confondent. Peuvent-ils s'approcher sans émoi de la grotte de Massabielle? Vierge très pure, Vierge très douce, Vierge conçue sans la tache du péché originel, Vierge enlevée par les anges, Vierge de bon secours. Notre-Dame de la Garde qui veillait sur le port de Marseille, étoile des marins, Vierge glorieuse, maison d'or, tour de David, tour d'ivoire. Vierge des pèlerins, menez-nous à bon port, conduisez-nous à Rome. Novembre 1950. Saint-Pierre de Rome, quelle solennité se prépare en tes murs? Pour qui sonnent ces cloches? Quel est ce débordement, cette joie? Qui est l'objet de ce témoignage universel? Marguerite Bourgeois, fleur de France, lumière du Canada. Pèlerins, chrétiens, accourés de tous lieux, voici qu'une bienheureuse aujourd'hui vous est donnée. Entre son éminence, le cardinal Micara, préfet de la congrégation des rites, accompagné de ses auxiliaires. À ceux-ci incombe d'instruire les procès de béatification et d'en promulguer les sentences. L'officiant de la messe. Son éminence, le cardinal Tedeschini, archiprêtre de la basilique, accompagné du chapitre de Saint-Pierre. Le postulateur de la cause remet au cardinal préfet le bref apostolique de la béatification et le prie d'en ordonner la publication. Au-dessus de l'autel, la gloire du Bernin est voilée dans l'attente. Le cardinal archiprêtre, accordant la permission de publier le bref dans sa basilique, le prélat secrétaire proclame « La sacrée congrégation des rites, ayant reconnu la validité des miracles de la croix et des coteaux, sa sainteté Pie XII déclare que Marguerite Bourgeois jouit de la béatitude éternelle et permet qu'elle soit désormais dans les diocèses de Montréal et de Troyes et les maisons de la congrégation l'objet d'un culte ecclésiastique. Moment sublime, la relique sur l'autel est découverte, c'est l'heure du triomphe. Selon la coutume, le postulateur distribue des images et abrégés de la vie de la béatifiée. Une messe d'action de grâce clôture la cérémonie. Le Canada possède sa première bienheureuse. Les pèlerins, témoins de cette gloire, emportent le souvenir d'exultation et de joie qui ne tiennent pas de la terre. Attenant à la place Saint-Pierre, le Vatican, foyer rayonnant de la chrétienté. Suivant le rituel de la béatification,
Le Saint-Père, qui s'est abstenu des cérémonies du matin, doit se rendre dans la basilique l'après-midi, vénérer la relique de la béatifiée. Le souverain pontife vient vénérer la relique. C'est l'hommage du vicaire du Christ à la nouvelle bienheureuse. Ora pro nobis, beata Margarita. Son Excellence, Monseigneur Léger, élevé un an plus tard à la dignité cardinalice, a l'insigne privilège de donner, en présence du Saint-Père, le salut du Très-Saint-Sacrement. Un bouquet de fleurs artificielles, selon la tradition, est offert à sa sainteté en signe de gratitude. Le lendemain, 13 novembre, le Saint-Père accorde aux pèlerins du Canada une audience privée. Traits de lumière et de feu qui ne s'effaceront pas. À l'issue de l'audience, les pèlerins se groupent dans la cour Saint-Damase. Les pèlerins de Québec et des environs doivent partir incessamment. Leur avion, d'ici peu, doit décoller. Quelques heures plus tard, détourné de son cours, leur avion heurte le pic de l'Obiou, dans les Alpes françaises. Croyons, dit le Saint-Père, qu'il fallait à l'année sainte des victimes expiatoires. Il était de rigueur pour des pèlerins de Marguerite Bourgeois de faire escale à Troyes. La ville entière avait organisé en leur honneur une cérémonie religieuse et une cordiale manifestation d'amitié. Montréalais et Troyens, Canadiens et Français, réclamant à juste titre Marguerite Bourgeois comme une des leurs, s'apprêtent conjointement à lui rendre hommage. Saint-Jean au marché, l'église paroissiale où Marguerite Bourgeois fut baptisée, où elle fit sa première communion, est l'objet de la première visite des pèlerins. La révérende mère Saint-Ignace, mère générale de la congrégation et les mères de l'administration générale. L'on ne s'étonne pas qu'elle voyage. Les filles de Marguerite Bourgeois à l'époque ne s'appelait-elle pas voyagère de Notre-Dame? Monseigneur le Coédique, évêque de Troyes. À l'issue de la cérémonie, les dignitaires civils et religieux se dispose au dévoilement d'une plaque commémorative fixée au mur de Saint-Jean au marché, sur la place de la Belle-Croix. La ville de Troyes devait ce tribut d'admiration à l'une de ses filles les plus méritantes. À la révérende mère générale de la congrégation échoua l'honneur du dévoilement.
à Marguerite Bourgeois, fondatrice de l'enseignement à Montréal, apôtre de la culture française au Canada, née le 17 avril 1620 dans l'une des maisons de cette place et baptisée le même jour en l'église de Saint-Jean, béatifiée le 12 novembre 1950. Au bas de la plaque, en caractère plus fin, ces paroles de Maisonneuve à Jeanne Mance, touchant Marguerite Bourgeois. Cette fille est encore un fruit de la Champagne qui semble vouloir donner à ce lieu de Ville-Marie plus que toutes les autres provinces ensemble. La cathédrale Saint-Pierre de Troyes. Telle nous la voyons de nos yeux, telle Marguerite Bourgeois eut loisir, il y a 3 siècles, de la contempler. Portail aux ogives minutieusement sculptées, rosaces de style gothique flamboyant, œuvres d'artisans dévots, affinés et patients. Fleurs de lys, ouvragées avec amour, vaisseaux majestueux, ancrés dans la ville, témoignages vivants d'un âge de croyance. L'âme de Marguerite Bourgeois, ciselée par la grâce, cette âme d'artisane si haute et si patiente, si douce et lumineuse, taillée comme la silice des verrières, âme de feu aux éclats doux et riches, âme de sacrifice, purifiée par la Vierge, ainsi qu'un métal dans une flamme. L'âme de Marguerite Bourgeois, telle une âme du Moyen-Âge, semble gravée dans cette cathédrale. Ici, place de la préfecture, s'élevait l'abbaye de Notre-Dame-aux-Nonains, dont la Madone sourit à Marguerite Bourgeois. Flèche d'église, n'est-ce pas le désir de Marguerite Bourgeois que Montréal, s'accroissant, vit jaillir autant de flèches que Troyes? Au hasard de la visite, les pèlerins lisent « Avenue Chemedey de Maisonneuve, hommage au fondateur de Montréal ». Il retrouve la rue Saint-Urbain, où habitait la famille Bourgeois, proche l'église Saint-Jean. Tiens, une fillette du quartier. Marguerite Bourgeois, l'apercevant, se serait arrêtée, se serait penchée. Comme tu as une belle poupée, et la petite n'aurait pas craint. Quel enfant du quartier ne connaissait pas mademoiselle Marguerite? À ceci, elle aurait dit... C'est ta petite sœur que tu tiens par le cou. Elle brunette et toi blondin. Disons que le plus sage des deux rira le moins. Elle avait le don d'attirer, d'égayer et d'instruire les enfants. Son nom doit s'attacher à une œuvre d'éducation de Troyes, le petit séminaire Marguerite Bourgeois. Monseigneur le coédic tient à ce que l'on respecte plans et devis. Monsieur le contremaître, un édifice placé sous un vocable aussi glorieux ne doit souffrir la moindre incorrection. Marguerite Bourgeois rendra donc ce qu'elle devait à sa ville natale. Si loin que les missionnaires accomplissent leurs tâches, leur patrie tôt ou tard en bénéficie. Le tombeau est la relique de la bienheureuse fondatrice. À la maison mère de Montréal, sont entourés de vénérations. Elle fut la mère de nos mères. Elle veilla sur Montréal comme Sainte-Geneviève sur Paris. Elle veille encore. Et son œuvre par la congrégation se perpétue. Dans ce reliquaire est enchâssé son cœur. Cœur humble et généreux, cœur héroïque, cœur de flamme. Rendons-lui, avec ses filles, l'hommage ému d'un peuple.